plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, wow. C'est maintenant. Plongeons ça ensemble dans le grand bain de la vie locale. Ils sont tu là. Fait. Bah ils oui, sont là, les tic et tac de Radio Grand Lac. La time blue de Radio Grand Lac. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, on a plein de noms, on a plein de surnoms. Ouais, on nous donne plein de surnoms, mais qui sont super sympas. Donc, ça veut quand même dire... Ils sont affectueux. Tout voilà, tout à fait. Ça va, Massandra? Affectueux et bienveillant. Moi, je vais super bien, JP, et toi? Bah oui, d'habitude, à ce soir-là, toi, c'est plutôt la sieste, oui, non? Oui, bien sûr, j'ai dû absolument la sieste. Non, mais dis donc, tu as fini de me taquiner comme ça en début d'émission? Alors, une grosse journée dans le grand bain de la vie locale, et en plus, le grand bain de la vie locale qui se délocalise, qui quitte le département de la Savoie. Tout à fait, tout à fait. Il va vraiment, il va en France. Il va se balader du côté de Césarieux. Il va en France, hein, voilà. Donc, exactement. Il traverse le Rhône. Et de l'autre côté du Rhône, eh ben, il y a 160 et quelques années, c'était la France. Maintenant, c'est le département de l'Ain. Tout à fait. Le 01. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre, voilà, c'est la même bien, chose, d'accord. Il fallait la placer, c'est mais bien. Figure-toi que les 29 et 30 avril, eh oui. bien, le département de l'Ain mène une opération pour faire découvrir ses fermes. Oui. Les fermes, l'Ain de ferme en ferme, avec des portes ouvertes, des visites, des dégustations, des animations, des restaurations, plein de choses. Il y a 24 fermes qui ouvrent leurs portes. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? Moi, je trouve qu'à 13h, tu commences à me faire saliver, Jean-Pierre. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce que la ferme du Marais a sérieux, la charmante et souriante Christelle. Ouais, c'est un régal de l'accueillir. Elle a illuminé le studio. A voulu venir sur Radio Grand Lac pour parler de cet événement et promouvoir la ferme du Marais située à Césarieux. C'est pas très loin de Culot, c'est pas très loin d'Aix-les-Bains, de notre lac du Bourget. Donc on l'accueille avec beaucoup de bonheur. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour, bonjour tous les deux. Ça va Christelle? Oui, tout à fait. Ravie de t'accueillir, vraiment. Je reste sur Tic et Tac ou... Ouais, c'est bien. Mais c'est comme ça qu'on vous appelle dans Aix, maintenant dans Aix, oh, il y a Tic et Tac. Oh, ouais, d'accord. Non mais c'est sympa. On ne sait pas qui est Tic, on ne sait pas qui est Tac. Oui, tout à fait, on a le droit d'en rire. On a le droit d'en rire. Alors, Christelle, soyons un petit peu sérieux, il est 13h03. Donc, l'Ain de ferme en ferme, c'est un événement qui est reconduit déjà depuis plusieurs années, 2 jours, pour découvrir le meilleur de nos terroirs. C'est ça. Et c'est la 16e édition. Et c'est la 16e édition. Et oui. Le Covid avait fait un petit arrêt sur 2 années, et puis c'est reparti. Et en effet, l'objectif de ces journées-là, c'est vraiment d'être très pédagogique et que le grand public découvre nos fermes côté travail, côté coulisses. Oui, ben bien sûr. Côté réalité. Et donc, on fait, nous, partie de l'Ain de ferme en ferme depuis, je crois, 11 ans maintenant. C'est de la pédagogie, d'accord. C'est de la transmission, et ça, c'est chouette, quoi. C'est ça. Et puis c'est de la transparence. Bien sûr, aussi. Bien sûr. Et puis, c'est du terroir, c'est du local, et donc, c'est pleinement nos valeurs. Alors, le département de l'Ain fait ça. On sait que l'agriculture dans le département de l'Ain, elle est différente qu'on soit dans la Dombe, ou voilà, avec les poissons, avec les oiseaux et tout, avec les volailles, quand on est en Bresse, avec vraiment la volaille de Bresse. Quand on est dans le Val-Romais, c'est encore différent. Puis toi, tu es limite Buget, pas le Val-Romais, mais voilà, c'est le Buget, toi. Oui, 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 tout à fait. Avec l'élevage. Avec l'élevage. Alors après, chaque région a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de fermes qui sont très diversifiées. On retrouve en effet les volailles de Bresse sur un territoire bien particulier. Nous, on a une région où finalement est possible de faire des céréales, du foin, donc de l'élevage. Donc notre ferme, on a fait un choix plus par amour des animaux et de ces animaux-là, notamment les bovins, et on utilise notre territoire en effet. On a adapté finalement nos pratiques agricoles au territoire. On pourra revenir dessus. Mais si on parle des portes ouvertes et en effet des différentes fermes qui ouvrent leurs portes ce week-end, c'est diversifié parce que on a aussi des gens qui proposent des productions originales. Il y a de la pisciculture en effet, mais on a aussi des petits fruits. Il va y avoir des vignerons. C'est vraiment ouvert à plein de sortes de... Il y a eu des maraîchers cette année. Bon, il n'y a pas de maraîchers. C'est une année un petit peu...
un petit peu de reprise en douceur après le Covid. Donc on a peut-être pas autant de fermes qui ouvrent leurs portes que d'habitude. Et puis avec aussi les conditions climatiques de l'année dernière, avec une sécheresse phénoménale, et donc peut-être moins de moyens cette année pour nos agriculteurs. Oui, des gens qui aussi font une pause parce que nécessairement, les productions demandent beaucoup de temps, et ouvrir ses portes, c'est être là présent deux jours, organisé avant. Oui. Voilà, donc c'est une petite édition, mais nous on est là. Mais elle est là, tout à fait. Oui. Deux jours pour redécouvrir le meilleur de nos terroirs, donc ça, c'est chouette. Hein. La ferme du Marais, donc à Césérieux, c'est vraiment à côté des Marais de Lavour. Oui, c'est ça. On est vraiment à l'entrée des Marais de Lavour, donc la réserve naturelle, si bien qu'on est à 3 minutes de Culose contre la Savoie. Ils font cliquer leur stylo, ils sont terribles ces deux-là. On manque de concentration, là. Non, il va falloir se recentrer. Donc voilà, on est à côté de Lavour, on est à côté de Culose, est entre Belley et Culose. C'est ça, bord du Rhône. Oui, facile à trouver naturellement. Le village juste Césérieux. À côté de la ferme, c'est Césérieux. Et puis sur le même territoire, puisque l'intérêt de ces journées de portes ouvertes qui sont collectives et où nous sommes nombreux, c'est que vous pouvez en profiter pour visiter 2-3 fermes dans la journée. Et donc autour de nous, vous avez une ferme qui est à Saint-Benoît, donc là on est plus après Belley, mais oui, c'est 20 minutes de chez nous, vraiment ça se fait très bien. Donc Géraldine qui propose, elle fait des huiles, elle fait des jus de pommes, elle fait aussi du vin, donc elle fait aussi des vinaigres. C'est très très pédagogique, très intéressant pour les enfants. On est autour du végétal, mais c'est quelqu'un de très pointu sur ses productions, qui fait de très très bons produits que nous on utilise au restaurant. Et puis vous avez un chevrier sur le plateau d'Hauteville, donc là ça peut faire une jolie balade parce que ce plateau d'Hauteville est très beau, on monte tout le long du Val-Romais. La chèvrerie entre la Ramasse. Entre Champagne, Val-Romais, puis Hauteville-Lampès. Alors, c'est au-dessus. Et du coup, fromage de chèvre, donc voir des troupeaux, voir une autre production. C'est ce qui va être le plus près. Ensuite, si vous allez sur le site l'un de ferme en ferme, vous avez des réseaux de fermes un petit peu plus éloignés. Mais pour une journée, on peut aller au cœur de la Dombe. Et là, pour le coup, vous avez 7 fermes qui ouvrent leurs portes à quelques kilomètres les unes des autres et organiser une journée. C'est vraiment ça le principe. On est tous, en plus, à aiguiller les gens, les visiteurs, pour parler des autres fermes. Alors, on ne va pas parler de ce que font les autres, mais par contre, d'essayer de créer ce collectif de manière dynamique, de faire un lien. Bien sûr. Et voilà. D'accord. Toujours un objectif pédagogique et vraiment, les visiteurs sont très contents. On a un cahier des charges hyper précis. Alors, est-ce que c'est piloté par la Chambre d'agriculture ou par une association particulière? Alors, dans l'Ain, c'est l'AFOC de l'Ain, qui est une association de formation, en fait, sur la comptabilité et la gestion au départ, qui s'est saisie de ça, sachant que de ferme en ferme, c'est un réseau national, dans les Savoies, vous avez, ça s'appelle la Clé des Champs. Oui. Et c'est, du coup, chapeauté par la Chambre d'agriculture. Donc, on n'est pas une espèce de chose inexistante. Hein. Il y a d'autres formations. L'important, c'est de faire découvrir nos métiers et puis d'être dans la transparence. Et puis la pédagogie qui permet de comprendre ce que c'est que le bien-être animal pour de vrai, de connaître nos vies. Alors, la ferme du Marais, puisqu'on va plus appuyer là-dessus, et c'est Christelle, c'est Bruno, c'est Anthony et Fanny. Tout à fait. Alors donc Bruno, c'est qui Bruno? Alors Bruno, c'est aujourd'hui mon ex-mari, mais un compagnon avec qui on a créé cette ferme. D'accord. Et ce sont nos deux enfants, Fanny et Anthony, qui nous ont rejoints chacun leur tour en tant qu'associés. D'accord, qui ont attrapé le virus, quoi. Oui. Parce qu'ils ont baigné tout le temps dedans aussi. Hein. Anthony, je crois que le virus, il l'avait au premier jour de sa naissance. Et puis ma fille a fait un petit chemin un peu ailleurs, pour revenir en disant j'ai envie de bosser avec mes valeurs, et mes valeurs c'est celles de notre ferme. Donc c'est un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun. 4 associés, on a tous un quart du capital. D'accord. On a des décisions collectives, c'est mieux qu'en étant mariée femme, aujourd'hui on vote. Message d'attention des messieurs. Donc 1263. Elle dit ça, elle dit rien. 1263 route des Nos. Alors, élevage bovin, non, hein. Tout à fait. Aussi. Le début. Présente-nous cette ferme. Voilà, donc le début de la ferme du Marais. Moi, quand j'ai rencontré Bruno, il possédait déjà quelques vaches. Il était double actif. Son papa était déjà double actif. Donc double c'était actif. C'était sa ferme à lui.
Alors, il existait une petite ferme avec une vieille étable très basse avec quelques places, donc vraiment quelque chose de très petit. Et il y avait à peu près une vingtaine d'hectares utilisés par le papa de Bruno, puis Bruno. Quand je dis double actif, c'est-à-dire qu'ils travaillaient à l'extérieur, hein, ils étaient salariés. Et en plus, presque, j'ai envie de dire, pour le plaisir, il y avait cette activité agricole. D'accord. Donc il y avait Bruno a fait un peu de lait, donc il y avait de la traite qui était à la main, hein, c'était vraiment tout petit. Et puis quand on s'est rencontrés, on a cherché le moyen de vivre de ça et pas que ce soit finalement quelque chose en plus. C'est diversifier un petit peu. Hein, voilà. L'activité. Donc moi j'ai des compétences au niveau comptabilité, gestion, juridique. Donc j'ai passé aussi le brevet professionnel agricole. Ça nous a permis de rentrer dans ces grands tuyaux que l'agriculture demande, mais aussi que les banques demandent. Mmh. Donc là derrière, on a pu déposer des projets, avoir des emprunts et on souhaitait donc Bruno, sa passion c'est vraiment les vaches, donc il fallait trouver une production autour de ça, soit le lait, soit la viande. Bien sûr. Et finalement, il s'est avéré que ce serait plutôt la viande, donc il a fait du veau de lait. La viande de qualité supérieure, bien entendu. Voilà. Alors là, pour le coup, de toute façon, c'est bien-être animal en premier. Oui, et tout à fait. Ce qui est merveilleux, c'est que ça fait de la qualité exceptionnelle de viande. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc voilà. Et du coup, on a démarré avec des bovins. Donc, on avait une douzaine de vaches et Bruno faisait tété matin et soir des veaux. Donc, c'est le même travail que de traire. Hein. C'est vraiment du 7 jours sur 7. Et puis, on a développé immédiatement le porc qu'on a choisi d'élever en plein air. Donc, c'est vraiment notre spécificité. Puisque les cochons élevés en plein air, pareil, c'est une viande de super qualité. Et puis, ça correspond à ce dont ils ont besoin, finalement. Hein. On est vraiment au plus près de la réalité de la demande de ces animaux. Et ça nous a permis, ces deux productions, d'investir et de créer notre laboratoire de transformation. Puisque moi, je tenais à avoir aussi une charcuterie d'excellente qualité. Mmh. Et faire les choses, on maîtrise pas les recettes. On maîtrise pas les mélanges d'épices avec le sel nitrité ou je ne sais quoi. Mmh. Et moi, je souhaitais vraiment travailler comme dans ma cuisine, en fait, et pouvoir faire ça. Donc, voilà, il y a des normes, hein, il faut s'installer correctement. Donc, ce sont des gros investissements. Si bien que les 15 premières années, ça a été beaucoup de travail, énormément. Il fallait aussi. Hein. Oui, forcément. Et puis, c'est du 7 jours sur 7. C'est du 7 jours sur 7. C'est beaucoup de stress parce que les emprunts sont là. Il faut les rembourser. Il faut trouver la clientèle. Donc, j'ai fait des marchés. On a développé à ce moment-là le magasin de producteurs à Grésy-sur-Aix. Oui. Parce qu'il fallait diversifier. On en parlera après, bien sûr. Voilà. Et puis voilà, Bruno et moi, on a monté vraiment une ferme qui est arrivée à peu près une centaine d'hectares, donc en récupérant des petits morceaux dont personne ne voulait. Hein, tout au même endroit. On a la chance d'avoir un parcellaire assez regroupé, en effet. Grosse zone de marais, hein, il y a plus de 40 hectares dans le marais, donc zone inondable bien aussi. Sûr. C'est une ferme qui fait combien de mètres carrés? Alors, c'est-à-dire La grandeur de... Alors, les terrains, de l'exploitation, aujourd'hui 110 hectares. D'accord, 110 hectares. Voilà. On a 5 hectares de céréales, et on est parti de 15-20, hein. Vraiment, ça a été... Et puis du défrichage, du gros boulot. Et on a aussi pu développer, du coup, le troupeau de bovins, hein, petit à petit, acheter des vaches, donc combien proposer de la viande de bœuf. Alors aujourd'hui, on a une quarantaine à peu près de vaches, dont des Highland Cattle, et on veut vraiment développer cette race, hyper adaptée au terrain, donc elles sont super bien dans le marais, elles n'ont pas besoin de bâtiment, elles restent dehors toute l'année, donc au niveau écologique et investissement, ça veut dire qu'on n'a pas comme ça encore on est au plus proche de notre territoire et adapté à notre territoire. Et la viande ressemble à celle de la Angus, puisque c'est des vaches écossaises. C'est tendre, c'est délicieux, c'est persillé, voilà. Ça a du goût quand c'est mangé bien bleu, là. Oui, aussi, mais enfin, un bourguignon hyper moelleux et tendre,
c'est top aussi. Hein. 13h15, c'est bien de parler de ça maintenant. Hein. Donc, continue, Jean-Pierre, continue. Vache, génisse aussi. Alors, un petit du peu. Coup, donc viande de bœuf, ce qu'on appelle le bœuf, hein, c'est-à-dire oui, en sûr. Effet des vaches adultes. Du veau, alors Bruno, lui, est en train de. Il a l'âge pour. Posé, ça y est. On voilà. cherche un associé, d'ailleurs, s'il je vais peut-être en profiter. Il ne le savait pas, il l'apprend en direct sur Radio Grand Lac. Il s'est positionné depuis un an et voilà, il ne nous laisse pas tomber, il bosse ouais. avec nous, on s'entend super bien, on a la chance tous les quatre de très super, bien s'entendre super. Avec nos enfants. Mais voilà, il a 60 ans et ben, bien mérité de faire une pause. Je crois qu'on pause. En a parlé il y a quelques temps, là, non, il y a pas une réforme des retraites, j'ai entendu parler oui, un oui, peu c'est de ça. Quelque chose. Oui, ça fait mais, très peu de vagues. Ça fait... T'as raison. Ouais, Bruno est dans les carrières longues. Donc ouais, ça va. Et puis donc le veau de lait, bah, ce sera plus du veau élevé sous la mer, mais les vaches vont élever leur veau dehors et ça fait aussi du très, de la très bonne fait, qualité. Ouais. Notre fils Anthony qui nous a rejoint il y a 2 ans, lui a développé un troupeau de brebis. Donc chacun son domaine finalement. De la viande d'agneau. Ouais. Voilà, alors on est tous complémentaires. Bien sûr. Mais en effet, on a quand même du caractère à être assez indépendant dans la famille. Uh-huh. Donc on souhaite chacun avoir un peu nos ateliers et nos décisions. En tout cas, vous devez travailler dans la joie et la bonne humeur. Ah bah alors, on va dire ça comme ça. Bon, peut-être que des fois, il y a des... Non, c'est un peu plus tendu. On a tous le sens de l'humour. De bon, mais c'est on s'entend là. C'est on important. Se respecte tous, vraiment. Et puis, il y a les poules aussi. Ouais, non, alors c'est juste non, pour c'est, faire c'est plaisir juste... aux enfants. On a quelques lamas, quelques oui, ânes, quelques chevaux, quelques poneys. Aussi. Quelques ânes, des chèvres naines. Voilà, ça, c'est le folklore. Avec Bruno, on a toujours été fous des animaux, donc on n'était plus à un près, à 10 près. Et puis, on a créé une petite mini-ferme qui permet aux gens de découvrir les porcs en plein air, parce que, mine de rien, du cochon, on n'en voit pas tant. Bien sûr. Et puis, bah, de profiter de tous nos animaux. Alors, ils sont croisés, hein, large white, l'andras et du roc. Donc, ça fait des cochons roses, un peu tachetés. Voilà. On n'est pas sur ces races du sud-ouest. Oui, voilà, non, c'est assez basique. D'accord. Alors donc, cette opération, l'un de ferme en ferme, c'est le 29 et le 30 avril. Samedi dimanche. Donc c'est samedi dimanche. De 10h à 18h. Tout à c'est fait. Ça. Alors qu'est-ce qu'on va nous proposer à la ferme démarrée? Mais peut-être qu'on va faire une pause peut-être musicale. Peut-être que Christelle va nous annoncer la pause musicale. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour tout détailler ce beau alors, programme. Christelle. C'est pour tester mon anglais. Yes. Alors la pause musicale, on va partir loin pour le coup, c'est pas local. C'est vrai. Genesis Invisible Touch. Et on est sûr. Avec l'accent en plus. Radio Grand Lac. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Trop tard, ensemble dans le grand Christelle, bain de la ville locale. Il va falloir que je revienne. Tu sais ce qu'on va faire? Attends. Évidemment que je sais ce qu'on va faire. On est toujours en direct à 13h22 pour cette émission spéciale avec la ferme du Marais à Césérieux, à côté de entre Culoz et Belley, qui fait ses portes ouvertes le 29 et 30 avril 2023. Et on accueille un rayon de soleil dans le studio. Tout à fait, avec Christelle. Merci. On pense bien sûr à Bruno, à Fanny et Anthony. C'est une histoire de famille. Totalement. Totalement. Et là, on va refaire le waouh parce que vous êtes prêts? Are you ready? 3, tu es prêt, Christelle? 4, c'est parti. Les spéciales de Radio Grand Lac. Waouh! C'est maintenant. Plongeons ensemble. Prochain coup. C'est presque parfait. Donc, nous vous présentons cette opération L'Ain de ferme en ferme dans le département de l'Ain. Il y a plus de 20 fermes qui ouvrent leurs portes. C'est ça. Le 29 et 30 avril, donc de 10h à 18h, avec des visites, des dégustations, des animations pour connaître le métier des paysans. Moi, j'aime mieux le mot paysan qu'agriculteur. Ce sont les gens du pays. Les paysans, puis connaître les exploitations. Depuis de les coulisses, un petit peu comment ça marche, parce qu'avant avant que votre pièce de bœuf ou que votre côte de porc soit vendue chez le boucher, il y a d'autres choses à faire avant. Et donc là, comme ça, voilà, vous pouvez voir un petit peu les exploitations avec ce qu'on fait, les céréales ou autre chose. Et puis toutes les bêtes, les animaux, les têtes de bétail. Alors la ferme du Marais donc participe à cette opération et le de la ferme du Marais, donc à Césérieux, 1263 route des News. Est-ce qu'il y a un site internet pour la ferme du Marais? Oui, tout à fait. fermedumarais.fr. fermedumarais.fr, ok. Alors, on va présenter un petit peu cette ferme du Marais avant de parler plus de ce qui sera offert
proposés pendant ce week-end. Donc, Ferme du Marais, c'est un endroit où on peut manger, c'est un endroit où on peut voir une mini-ferme, où on peut parler, où on peut échanger avec toi, avec oui. Bruno, voilà, pour savoir comment se passent vos vies, pour transmettre un peu de votre passion pour la terre, pour les animaux. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a pris le choix dès le départ de faire de la vente directe. Donc, forcément, d'accueillir. Il y en a de plus en plus. Hein. Oui, de plus en plus. Ça permet d'avoir des petites structures et de gagner sa vie, en tout cas de payer les investissements. Et nous, ce choix-là, bah, forcément, nous a emmené vers rencontrer nos clients et ouvrir nos portes. Au niveau de la ferme, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça doit faire 21 ans que je fais le marché de Belley. Donc oui. 21 ans qu'on vend en direct nos produits. Donc tu vends la viande, la charcuterie. Et voilà, on fabrique nos charcuteries. On a donc le labo sur la ferme. Enfin, on pourra pas vous les faire visiter ce week-end, un laboratoire de transformation, ça reste un endroit nickel. Il y a des normes. Nickel, des normes, ouais, tout à fait. Mais par contre, voilà, quand on est dans le magasin, on a une vue sur le labo. Et puis, donc ça aussi, hein, on a fait un choix assez drastique à dire, on emmène nos animaux à l'abattoir. Aujourd'hui, c'est Bellegarde. On récupère nos carcasses et ensuite, on fait tout. On met sous vide nous-mêmes, on découpe et on fabrique. Vous découpez vous-même. Alors, vous avez peut-être l'aide d'un boucher ou... Voilà. Donc moi, j'ai tenu les premières années à faire un porc par semaine. Aujourd'hui, on a un charcutier, Philippe, qui nous a rejoint il y a un an. On a eu Mathieu pendant 10 ans juste avant. Donc moi j'avais mis en place des recettes hein, puisque j'utilisais ce que je faisais pour la famille, puisque dans une ferme, en Bruno ayant déjà une ferme, il faisait tuer 2 porcs par an pour la famille. Voilà. Tout à fait. Donc j'ai juste réadapté ça à le faire une fois par semaine au lieu d'une fois par an. Oui. Et du coup d'avoir des recettes hyper classique, hein. On travaille vraiment de manière ancestrale, sans sel nitrité naturellement, sans colorant. J'ai uniquement du sel, du poivre et des épices à ma disposition. J'en salive d'avance. Voilà, il y a un peu de porto et de cognac parce que c'est pas mal non plus, de l'ail, des oignons, des échalotes, ce que chacun peut avoir dans ses placards. Et le jambon, par exemple, parce que c'est quand même l'exemple et on en parle énormément en ce moment. Hein. L'OMS a quand même sorti des... Voilà, ça y est, on prend position contre ces sels nitrités, ces fonctionnements industriels. Eh bien, le jambon, c'est vraiment la cuisse du cochon qu'on va faire tremper dans une saumure pendant 3 à 4 semaines. Donc, l'eau va migrer avec le sel à l'intérieur de la viande. On ne le pique pas. Le principe d'un jambon, c'est de venir piquer, de mettre de l'eau salée et des sels nitrités. Non. Il va être comme ça, tranquillement prendre le sel et en plus le laurier, les épices que je mets déjà dans la saumure. Et puis on va le mettre dans un linge pour le cuire tranquillement, comme on ferait avec une pièce de viande classique. Donc on a un jambon au torchon, ce qu'on appelle un jambon au torchon. Qui est 100% du jambon. Il n'y a pas de l'eau, on ne vous vend pas de l'eau, on vous vend du muscle. Et il y a du goût. Ah bah alors. Et je parie même. La bonne nouvelle, c'est que c'est santé et en plus délicieux. Donc. Et je parie même qu'il y a un petit peu de gras et puis qu'il y a un petit peu de couenne. Oui, bien sûr. Alors forcément, on laisse gras et couenne. Bien sûr. On a fait aussi le choix. Alors depuis un an, vraiment, hein, on a fait beaucoup d'essais, mais maintenant, on maîtrise la fabrication de notre aliment. On fait une partie des céréales. On achète les autres céréales dont on a besoin aux alentours, toujours pareil. On cherche à être dans le local, dans le vertueux, dans le respect du territoire et de faire bosser les amis qui bossent comme nous. Donc, on maîtrise notre aliment et on a pu, du coup, vraiment nourrir nos porcs pour qu'ils grandissent. Donc, aujourd'hui, on les fait tuer, ils sont taille adulte, ils sont adultes, c'est plus des ados. Combien de porcs vous avez dans l'exploitation? Alors, on a à peu près une cinquantaine de cochons en permanence, 50-60 cochons en permanence, et on tue 2 voire 3 porcs par semaine. Voilà notre, c'est très régulier, pas énorme, hein, c'est pas une grosse ferme, mais voilà, non, ça nous permet de faire la qualité. Encore. Ah, mais totalement, et on n'a pas l'intention de changer. On a beaucoup, beaucoup de demandes, hein. On pourrait doubler, tripler, mais non, on sait faire très bien comme ça et on veut continuer à faire comme ça. Oui, bon, tout à fait. Alors, quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'on mange?
Ah, alors qu'est-ce qu'on mange? Donc, soit vous passez au magasin et du coup, on a toutes les charcuteries, donc que ce soit du saucisson sec, du jambon en gelée, des terrines. Là, Philippe a fait de la rillette pour les portes ouvertes. Et puis, ça fait maintenant une dizaine d'années, on a développé donc une ferme auberge. Donc, on a démarré par de la petite restauration, à savoir nos assiettes de charcuterie. Puisqu'on est vraiment sur le site des Marais de Lavour et cette réserve naturelle se visite. Il y a un chemin sur pilotis, il y a un musée dans le hameau des Gnoz. Voilà. Donc, ce lieu s'est développé aussi au niveau touristique en même temps que se développait notre ferme. Il y a eu quelque chose de chouette comme ça et plus je maîtrisais la charcuterie, on a pu embaucher quelqu'un pour m'aider. Du coup, j'ai pu sortir un peu du labo. À ce moment-là, il y avait une demande pour manger au moins les week-ends. Donc, j'ai proposé des assiettes. Et puis financièrement, à un moment, ça s'est imposé. Il fallait qu'on diversifie, voilà. Donc là, ma fille, qui était en BTS hôtellerie-restauration, je tiens à dire de son propre choix, on n'oblige nos enfants à rien. N'empêche que ça a été l'occasion. D'accord. Elle avait des stages, etc. Elle est venue, elle m'a aidée. Et elle a développé au départ déjà des plats chauds. Voilà, il y a eu des années où j'étais seule. Aujourd'hui, elle est associée depuis avril l'année dernière. Donc, elle gère la ferme auberge à 99%. Ah, moi, je suis là pour l'aider. Et donc, aujourd'hui, c'est un restaurant qui vous propose des plats chauds totalement. Alors, ferme auberge, toujours, activité agricole, puisque dans l'assiette, vous avez toutes nos viandes, nos charcuteries, donc ça représente 70% de la valeur de ce que vous avez dans l'assiette. Et puis après, on se veut totalement locavore. Donc, on ne travaille qu'avec des agriculteurs autour de nous. Des légumes. Alors, on a un petit maraîcher qui vient de s'installer à Césérieux. Donc, depuis l'année dernière, on travaille avec eux. On travaille aussi avec Denis et Angélique Marseille, qui sont à Cessel, qui font du légume bio. On fait partie d'un magasin de producteurs. Je fais les courses pour le restaurant dans le magasin de producteurs. On travaille avec les brasseurs savoyards, qui sont pas si loin. On a le choix de ne faire que du local. Ferme auberge. Même nos vinaigrettes maison utilisent les huiles de Géraldine, qui est à l'huisse. On va toujours au plus loin de cette démarche. D'accord. En étant conscient de l'impact derrière sur notre territoire. Est-ce que tu peux nous donner par exemple un exemple de menu? Puisque je vois sur la carte qu'il y a plusieurs menus. Alors le menu créé par ma fille qui va... Alors vous allez nous retrouver en fait, parce qu'on a le menu tout vite d'Anthony, on a le menu coloré de Christelle, on a le menu préféré de Bruno et on a le menu bon vivant de Fanny. Ouais, non mais c'est super parce que c'est personnalisé, on sent tout le cœur. Voilà. Par exemple, Anthony qui lui mange très vite. Alors, le tout vite d'Anthony, il se prend un plat chaud au choix et il prend un dessert maison au choix. Alors, les plats chauds vont dépendre de l'inventivité de la cuisinière, de Fanny, et puis de ce qu'on a du coup aussi à cuisiner, puisqu'on reste avec du produit saisonnier, avec des choses. On prépare une partie de nos plats en bocaux. Oui. Ça nous permet, par exemple, là, de proposer que je vous prenne un exemple. Je vois, il y a du curry de veau, il y a du porc mijoté la tagine d'agneau, le bœuf comme un chili. Et puis, il y a la tête de veau. Voilà. Et le bœuf comme un chili, la sauce tomate est maison. Elle a été faite en bocaux. Fanny a préparé sa sauce tomate et on va réutiliser ça. Sont à 19,50 €. Oui, c'est vrai. On peut parler prix, mais tout à fait. Et en effet, le menu tout vite d'Anthony est à 24,50 € avec un plat chaud au choix et un dessert. Au dessert, il y a un moelleux au chocolat crème de châtaigne qui est une tuerie. Elle nous fait un gâteau breton. Alors, avec une glace, je sais plus quoi, un caramel maison. Enfin, voilà, c'est très, très gourmand. Très, très gourmand. Très bonne cuisinière. Ouais, c'est super sympa de nous parler de ça qu'on n'est encore pas passé à table. Hein. Merci Christelle. Merci. Le menu coloré de Christelle. Alors, pour moi, c'est une grande salade de la ferme et puis un dessert au choix ou deux boules de glace. Pareil, alors on travaille avec la maison Renzo, connaissez sûrement. Au Vivier. Voilà, Vivier pareil, on a cherché un artisan glacier, quelqu'un qui travaille de manière hyper correcte et avec des vrais pulpes de fruits et pas de colorants.
Ouais, bravo, bravo. Voilà. Après, il y a le menu préféré de Bruno. Ah bah Bruno, il mange plus que les autres, forcément. Donc lui, c'est la petite salade bugiste, alors dans laquelle on met notre jambon, on met du margeria, puisque je fais mes courses au magasin de producteurs. Donc il y a des petits morceaux de margeria. Il y a des noix. Les noix, elles viennent de chez Lydie Salomon, pareil, qui fait partie du magasin de producteurs. Et puis, bah, les crudités de saison, hein, en ce moment, on met du céleri râpé, des carottes râpées. Il reste un peu de betterave qu'on met cru en tranches très très fines comme ça. Bon, la salade verte aujourd'hui, on la trouve facilement, les producteurs y tiennent. Il faut savoir que notre restaurant n'ouvre qu'à partir d'avril, début des vacances scolaires. On ne travaille pas l'hiver sur la restauration. D'accord. Toute l'année, on vend nos viandes et charcuteries au magasin, à la ferme, je fais le marché de Belet, mais la partie restauration et mini-ferme, c'est vraiment belle saison. Mais belle saison avec le réchauffement climatique, je crois qu'on va démarrer en février et puis on s'arrête en novembre. On fait les vacances de la Toussaint aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, et puis alors ensuite, il y a le menu Bon Vivant de Fanny. Ah, mais alors Fanny, elle a toujours le goût le plus affûté. Et là, on a la petite salade bugiste ou l'assiette de charcuterie de maison. La voilà. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette de charcuterie de maison? Eh ben, elle est pas petite. Hein. Il faut là, il faut avoir marché avant, mais vous allez vous promener au marais, vous venez après. Alors, on met 4 charcuteries. Donc, souvent la roulette, qui est la poitrine de porc. Bien sûr, roulée, bien sûr. Cuite avec le poivre cassé au centre. Il peut y avoir une tranche de tête de porc roulée, même principe que la roulette, mais avec le croquant des oreilles. Un morceau de nos terrines, forcément. On en a 3 sortes, donc on essaye d'alterner. Parfois, on met un peu de notre pâté croûte aussi, qui est très sympa. Le jambonneau en gelée. Donc là, les jambonneaux qui ont cuit 2 heures avec les pieds de porc dans la gelée. Il y a un peu de persil frais. Voilà, ça fait aussi une charcuterie sympa. Et on utilise, là aussi, on a fait du pesto à l'ail des ours. Oui. Donc, on va mettre la touche de pesto, les cornichons que ma fille a fait l'année dernière. Puisque Fanny, elle développe un jardin dans l'idée de mettre un maximum de nos légumes aussi dans l'assiette. Hein. On a déjà commencé par les pommes de terre l'année dernière pour faire des gratins pure crème. Ça, c'est une tuerie, Jean-Pierre. C'est vrai. Oh, le gratin de Arrêtez, Fanny. Arrêtez. Cette émission est un supplice. Est un supplice, vraiment. Et puis, elle va développer une gamme aussi d'accompagnement pour nos viandes, de pesto. Voilà. Et on a le menu des petits paysans, moins de 10 ans. D'accord, pour les moins de 10 Donc, ans. Donc, nos petits loulous. Alors, le boulanger du village nous fait des buns pour faire du burger. Donc, voilà, c'est encore un boulanger qui pétrit, qui fait, lui, son bon pain. Et à l'intérieur, on met notre jambon, un petit peu de margarine qu'on fait fondre. On leur met des petits bâtonnets de carottes ou des petits radis quand c'est l'époque. Voilà, et ils ont 2 boules de glace. Et le menu des petits paysans, pareil, souvent les parents terminent parce qu'on est généreux. Oui, tout à fait, j'y pense. Alors donc, c'est ouvert tous les jours, ferme du Marais scolaires, oui. Le restaurant et le magasin et la mini-ferme à visiter, c'est ouvert donc de début avril, ou en tout cas début des vacances de Pâques, jusqu'en novembre. Fin des vacances scolaires aussi de la Toussaint. Et c'est ouvert de 10h à 18h, tous les jours fériés, 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires. D'accord. Hors vacances scolaires, on ferme les lundis, mardis. D'accord. Et on ne peut pas manger le soir? Non, pour le coup, on aura des animations au mois de juin. Donc là, il faut surveiller notre Facebook aussi. Hein. On a un Facebook où vraiment on se tient. Et on aura des animations, il y aura des choses. On a une fête de l'Ascension où on prépare aussi plein d'animations. Voilà, on est actif, hein, on est créatif et actif. Mais pas de soirée régulière en tout cas. C'est le GAEC de la ferme du Marais à Césarieux qui est avec nous aujourd'hui pour cette opération Lin de ferme en ferme. On va en parler après, là. Le 29 et 30 avril, avec les portes ouvertes et des animations qui sont proposées. Là, on vient de parler de cette ferme auberge, un supplice de présenter cette émission quand j'entends parler de pâté croûte, de tête en gelée et de tout ça. Et donc, de terrine aux noix. Donc, il faut y aller. C'est pas très loin d'Aix-les-Bains. C'est à un peu plus de 30 km d'Aix-les-Bains entre Culoz et Belet. Donc, on peut y aller. C'est au nord du lac du Bourget. On marque une deuxième pause musicale et tout de suite après, on parle de ce programme, l'un de ferme en ferme, porte ouverte à la ferme du Marais de Césarieux, 29 et 30 avril. À tout de suite, les amis, 92.1, radiograndlac.com. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant.
Christelle de la ferme du Marais qui a encore loupé une fois son voix, mais elle fait tellement de choses qu'elle peut pas être partout. Non. On est ensemble en direct, toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com, bien sûr aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre et ça nous fait vraiment chaud au cœur dans ce grand bain de la vie locale que nous construisons chaque jour avec vous et pour vous. Et aujourd'hui, on va dans le département de l'Ain, juste après le Rhône. Là-bas, on est juste avant Culose, on prend à gauche, direction Belay, il y a Lavour, et après il y a Césérieux. Et donc, il y a la ferme du Marais, le GAEC de la ferme du Marais chez Christelle, Bruno, Anthony et Fanny. Une histoire de famille, une belle histoire de famille. 1263, route d'Aignoz à Césérieux. 04 79 42 24 35. 04 79 42 24 35. Et puis, il y a le site internet, lafermedumarais.com. Facebook. Il y a Facebook et tout. Alors, Google nous connaît. Non, sans problème. On a présenté donc cette ferme auberge où on mange de délicieux produits, des charcuteries, des viandes, tout est local après pour ce qui est les accompagnements. Et puis alors, le 29 et 30 avril, ce sont les portes ouvertes. Alors, Christelle, qu'est-ce qui va se passer ces deux jours de 18h à 18h, 29 et 30 avril? Alors, ces deux jours-là, portes ouvertes, c'est-à-dire que l'accès est totalement libre, que ça ne vous coûtera rien, qu'on sera présent pour répondre à toutes vos questions et même vous expliquer notre métier. Et ça c'est important, d'apprendre et voilà, pour faire connaître les difficultés et les beautés aussi du métier de paysan. Oui. La réalité, vous rentrez dans nos réalités. Autour de nous, ce sont des bénévoles et ce sont les petites filles, le cousin, les amis qui viennent nous aider. Donc, il y a une ambiance hyper chaleureuse. Chacun est à sa place. On crée un endroit de dégustation. Donc, vous pouvez découvrir nos produits. Naturellement, le magasin est ouvert et on fait un menu spécial. Donc, ce jour-là, ne demandez pas le curry de veau ou le bœuf sostili. Vous faites des burgers. Alors voilà, on a prévu un repas à 16 € par adulte et 10 € par enfant. On sait par expérience qu'on a beaucoup plus de demandes que le reste du temps. Donc, il nous faut quelque chose où les gens viennent en libre service, prendre leur assiette et s'installe où ils le souhaitent. Ça peut être même dans l'herbe. On a naturellement des terrasses. On a aussi une terrasse à l'abri. Il y a une vraie salle qu'on ouvre naturellement. Mais pour 16 €, vous avez une belle assiette avec un burger et à l'intérieur un effiloché de porc. Alors, mais de votre porc. Bien sûr. Et mijoté 8 heures par Fanny, basse température, avec un mélange d'épices. C'est la cuisson, d'accord. J'avais pas pensé à ça. La phrase pouvait prêter à confusion. Pardon, ma chérie. Et elle vient le mijoter avec un jus de pomme. Donc, vous avez un espèce de sucré salé comme ça fondant. Les crudités locales et voilà, l'assiette est bien remplie. Et un crumble aux pommes, pareil, maison. On a épluché des pommes. Là, les 3 derniers jours, on commence à préparer les choses. Une boule de glace vanille de chez Renzo, elle est délicieuse. Et puis, pour les enfants, on leur fait un petit burger. On mettra un petit peu moins de crudités. Je crois que ça, il reste sur le côté gourmand, et puis une mayo maison, et ils auront une boule de glace. On aura aussi nos assiettes de charcuterie à partager ou à choisir en plus pour les plus gourmands. Voilà, ça va être bonne franquette, ça permet de se poser. Simplicité, authenticité. Exactement, du sourire, de la gentillesse, et puis nous sommes à la disposition des gens pour faire découvrir et parler de ce qu'on fait. C'est la 16e édition de l'Inde ferme en ferme. Mm-hmm. Est-ce que, Christelle, tu trouves qu'il y a de plus en plus de monde qui vient dans ces portes ouvertes, qui vient vraiment retrouver les choses vraies, les choses authentiques, les produits locaux? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une demande d'information. Alors, on voit deux choses. On a les gens qui reviennent chaque année parce qu'ils trouvent ça trop génial et que du coup, donc ça augmente. On fidélise les gens qui viennent découvrir notre métier. Mais en fait, ils viennent plus découvrir, ils viennent profiter de notre ferme et de nous. C'est super mignon. Et puis, en effet, plein de jeunes gens. Moi, je trouve que c'est hyper prometteur parce que j'ai de plus en plus de jeunes couples qui posent des questions. Les questions sont pertinentes. Il y a une vraie démarche d'interrogation.
voilà, on est quand même dans un monde où on a l'impression de savoir, mais on ne sait pas tout. Et puis, on sent bien qu'on nous raconte beaucoup de choses. Bah là, voilà, vous avez le transparent, vous avez le vrai. Cultivé devant vous, c'est élevé devant vous. Oui. Et ensuite, c'est mangé ici, quoi. Bien sûr que c'est chouette de venir avec les enfants voir les animaux. On est d'accord qu'il y a ce côté festif. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais l'intérêt de ces portes ouvertes, c'est ça, c'est de découvrir que, ah, mais alors l'animal, quand il mange ça ou quand il mange ça, c'est pas les mêmes conséquences. Bien sûr, ouais, voilà. C'est quoi un animal qui va bien, voilà. Et puis les recettes des charcuteries. Enfin, on affiche, hein, y a beaucoup de panneaux d'explications dans notre ferme. On les laisse d'ailleurs à l'année. Et puis là, on en remet pour les portes ouvertes. Et puis on est là, donc on s'est parlé de nos métiers, de ce qu'on fait. De la passion qui vous anime chaque matin quand vous vous levez. Une vie quand même difficile, contraignante. Alors, contraignante, difficile. Comme plein de vie, mais j'ai envie de dire que la difficulté entre nous, beaucoup de travail et puis une vie qui n'a pas de sens, bah, je préfère notre vie, avec beaucoup, beaucoup de travail, mais avec du sens, vraiment du sens. On a la chance de travailler avec nos valeurs, on ne met rien à la poubelle. Tous les matins, on se lève et on fonctionne avec ce qui nous anime. Et ça, c'est la liberté. Moi, c'est ce que j'appelle la liberté. Voilà, donc, et puis une immense réussite et une immense joie que nos enfants fassent partie de l'aventure. Cette ferme a été quand même créée il y a 20 ans. C'est ce qu'on appelle être durable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça nourrit 4 familles, et puis avec des possibilités, sans doubler notre surface agricole, ou augmenter, ou serrer nos cochons dans les parcs, ou je ne sais quoi. On est resté sur des activités hyper respectueuses du lieu. D'ailleurs, on est aujourd'hui HVE, niveau 3, haute valeur environnementale. On a reçu ce label, on l'a demandé, hein, donc on a fait les tests, les audits, etc. Et on est parti pour le niveau 4 l'année prochaine. L'étude montre que ça passera. On n'avait pas fait le choix de label parce que tout passe par mes mains quand je vends et que j'explique. Mais finalement, c'est une reconnaissance supplémentaire. Et puis, c'est une assurance aussi pour le consommateur de ce qu'il a dans l'assiette. Voilà, puis je crois que après les clients qui viennent chez vous, ça devient un peu des amis. Alors oui, en tout cas des connaissances. Pas tous parce que je manquerai de temps pour les recevoir à l'apéritif. Mais oui, non, d'abord, j'ai beaucoup de gratitude pour ces gens-là que je vois de manière très régulière. Ils nous permettent de continuer. Oui. Et ils nous permettent aussi de vivre de notre métier, de ne pas abîmer nos pratiques. C'est-à-dire que nos prix sont importants. Alors, c'est quoi le juste prix, hein? On peut faire un débat là-dessus. Mais n'empêche que les prix que je suis obligée de mettre, c'est le prix de notre manière de travailler. Et que les gens soient là et arrivent avec des compliments parce que c'est bon et que je tiens à ce que tout soit délicieux et on fait super gaffe à nos recettes et tout. Et puis, voilà, c'est vrai quand on goûte. J'ai une anecdote à ce niveau-là qui est magnifique. Il y a 2 ans, un client est revenu. Il m'avait pris un rôti la semaine d'avant. Il revient une semaine après au marché et il me dit, écoutez, je viens vous payer parce que vous êtes trompé. Vous m'avez vendu un rôti de veau et j'ai payé un rôti de porc. Oui. Alors je dis, j'avais pas de veau la semaine dernière, dites-moi, il était comment, ficelé? Je dis, non, c'est un rôti de porc, c'est sûr. Ah mais non, c'est pas possible. Le goût que ça avait, la tendreté, tout. Non, vous m'avez vendu un rôti de veau. Il voulait absolument me payer plus cher parce que pas possible. Voilà, donc vous dire les retours extraordinaires qu'on peut avoir. La qualité phénoménale. Donc la gratitude pour nos clients. Donc, ce week-end, on vient chez toi, voilà. On peut acheter le produit, on peut déguster. Aussi. Le magasin est ouvert, on va faire déguster, on va expliquer, on va donner les recettes autant que vous voulez. On est hyper transparent. Moi, je donne mes recettes avec grand plaisir. Et puis, oui, venez avec des glacières, venez faire le plein, il n'y a que des bonnes choses. Et puis, on pourra voir aussi les animaux. Alors, bien sûr, tout est en accès libre. Hein. Donc, la mini-ferme, vous faites la balade. Anthony, Bruno seront là pour vous parler des céréales. Vraiment, on vous ouvre les coulisses, s'il y a coulisses. Hein, oui, mais bien en sûr. Tout cas, l'accès au bâtiment d'élevage. Et, pour voir comment c'est ça fonctionne. Complètement. Christelle,
C'est un petit peu la ferme du bonheur là-bas. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de clients qui disent ça. Oui, on vit au paradis. Alors, ils se méritent, mais on vit au paradis. Et puis, quand on est maman ou papa, quand on a la chance de travailler avec ses enfants, d'avoir transmis cette passion, puis que ça se passe super bien. Et puis, de les voir tellement... Évoluer, épanouis, tellement responsables et compétents et professionnels. Moi, j'ai une immense admiration pour mes enfants. Vraiment. Et je suis sûr qu'ils ont une immense admiration pour leur maman. C'est ce week-end 29 et 30 avril 2023. C'est dans tout le département de l'Ain, bien sûr, de la Dombes au Val-Romais, des plaines de l'Ain au Bugey et puis à la Bresse. Mais c'est surtout au GAEC de la ferme du Marais à Césérieux, 1263 route d'Aignose, D'AIGNOZ. C'est à la limite des marais de Lavour, des célèbres marais de Lavour. C'est sur le site, exactement. C'est sur le site de la réserve naturelle des marais de Lavour. D'ailleurs, les vaches écossaises que l'on voit sur les marais, ce sont les vôtres. Alors, pas toutes. Ils en ont, eux, en propriété 5. Et après, celles que vous voyez dans le village, oui, sont les nôtres, autour du village. Oui. Ils vous proposent une visite des élevages de cochons en plein air, des bovins de race Highland et des agneaux, découverte du matériel de culture et de fenaison. Les foins, ça s'approche, là? Oui. En tout cas, l'herbe pousse cette année. Hein. Oui. On est très content qu'il pleuve, tant pis pour... Quand on sait que les agriculteurs, ils disaient avant, les paysans disaient que le mois d'avril était un mois de 30 jours, il fallait qu'il en pleuve 31. C'est ça. Hein, là, cette année, c'est vrai que la végétation, on la sent un petit peu plus belle que l'année dernière, la même période. Oui. Donc, les foins, ça se passe comment chez vous? C'est au mois de juin. Alors, c'est Anthony Bruno. Anthony Bruno. Ils sont tous les deux à faire ça. C'est un enjeu énorme. Hein. On nourrit nos animaux l'hiver. Vous rentrez en vrac ou en balle ronde? Non, on fait des balles rondes, on fait des grosses bottes carrées. Ouais. On n'a pas de séchage. Hein. D'accord. Et du coup, on a la chance d'avoir... on est suffisant en foin, logiquement, sauf sécheresse. Bon, le marais nous sauve. Donc, dans les marais, c'est là où on fait la blache. Voilà, et on fait aussi de la blache. Nos animaux, notamment les Highlands, mangent la blache. Vraiment. D'accord, tout à fait. On ira voir ça un jour parce que ça va être passionnant. Donc, la découverte du matériel de culture et de fenaison, ainsi que la fabrique de céréales, un espace ferme pédagogique avec les poules pour les enfants, notamment les poules, les lamas, les poneys, les ânes, et puis il y a un buffle. Il y a une bufflonne. Oui, elle s'appelle Doudou. Il y avait une question sur notre Facebook avec des entrées mini-fermes à gagner. Eh ben, vous avez la réponse. La bufflonne s'appelle Doudou. Doudou, c'est Doudou la bufflonne. Allez voir sur notre Facebook, répondez. On n'a toujours pas de gagnant. Le nom du Facebook, c'est la ferme du Marais aussi. Oui, également. Hein, vous mettez 01 s'il y a une question, mais c'est ferme du Marais, tout à fait. Et puis, on va aller liker la page tout de suite après l'émission. Oui, on va échanger tout ça. Et puis donc, pendant ces deux journées, 29 et 30 avril, un menu burger à l'effiloché de porc de la ferme, qui a mangé sur place, ou un casse-croûte, on pourra aussi casser la croûte. Oui, totalement. J'adore ce terme. Et on pourra même emporter, il y aura des boissons et des goûters toute la journée dans la ferme auberge. Christelle, c'est le moment tant attendu de la question RGL. Oui, tout à fait. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Christelle, qui a une exploitation agricole, qui vend sur les marchés, qui fait sa charcuterie, qui fait sa viande, qui se lève bonne heure le matin et qui se couche tard le soir, quand elle n'est pas dans sa ferme, quelles sont ses passions? Elle carbure à quoi? À l'amour. Bonne réponse. Et je crois que Sandra ne me dirait pas le contraire. C'est la première fois, je crois, qu'on a cette réponse, et ça ne m'étonne pas que ça vienne de Christelle. Autre passion. Alors, j'aime peindre, mais voilà, il me manque du temps. J'aime écrire. Voilà, je suis une créative, donc... Ouais. Et puis peut-être bientôt d'autres projets à mettre en place avec Radio Grand Lac. Ah, pourquoi pas? Et puis, pourquoi pas. Un petit mot sur le magasin de producteurs à Grésy-sur-Aix. Nos cerveaux sont au même moment avec Jean-Pierre. Le magasin qui s'appelle À la croisée de nos fermes. Donc, je salue toute l'équipe, hein, sont des amis. Stéphane, qui aujourd'hui tient avec brio notre magasin, il est là tous les jours pour vous accueillir. Stéphane Vivet. Donc, c'est un collectif, c'est un magasin de producteurs. Ça veut dire qu'on se relaye pour tenir notre magasin. Stéphane est en salarié, donc à temps plein, mais vous avez toujours un producteur avec lui. Et c'est un lieu où nous sommes plus de 40 à poser nos produits de nos fermes. On est
hyper vigilant à la qualité de ce qu'on vous propose à la vente. Donc, on va visiter les exploitations qui souhaitent rentrer dans l'équipe. On goûte les produits. Là aussi, Jean-Pierre va avoir faim. Et vous n'avez que des très bons produits. Donc, c'est l'immeuble Corsuet. C'est au rond-point de la Cascade, à l'entrée de Grésy-sur-Aix, là, en face de la boulangerie Lucien, je crois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le parking est derrière, mais voilà, vous trouvez sur la zone, il y a de quoi se garer. Et on est ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h en continu. C'est vraiment un lieu avec de très bons produits. Nous, on met nos viandes, nos charcuteries. Moi, je suis là-bas souvent le mercredi après-midi. Voilà, c'est un endroit où il doit rester des cartes, parce que ça me paraît important aussi que les gens, pour les portes ouvertes, soient en possession des cartes mise à disposition par l'un de ferme en ferme. Alors vous pouvez aller sur le, vous pouvez aller sur le site l'un de ferme en ferme, parce que ça vous donnera vraiment la totalité des fermes à visiter pour vous aider à organiser votre week-end. Retournons vers l'authentique, retournons vers la simplicité, vers les bons produits, vers ce qui est vrai, vers les le bons respect. Produits. Mmh. Visitons nos agriculteurs, allez rendre visite à nos agriculteurs, ils ont tellement de choses à nous apprendre, ils ont tellement de choses à nous dire, et allez notamment à la ferme du Marais, avec à Césérieux, le 29 et le 30 avril, ne serait-ce que pour le sourire de Christelle. Et puis, les donc, abdos de mon fils Anthony. C'est vrai. Alors, je ne sais pas s'il posera le t-shirt, il ne va pas faire très chaud. Bon, vous verrez ses épaules. D'accord. C'est le sourire heures. De ma fille qu'elle m'aime que moi. Et Bruno, lui, c'est quoi? Ah, Bruno, il a des moustaches. D'accord. Les visites, les dégustations, les animations, la restauration, les choses vraies de la vie, le 29 et 30 avril, 10h à 18h, à la ferme du Marais à Césérieux. C'est juste derrière le Rhône. Juste donc, après. Ce n'est pas loin du tout. On termine cette émission avec le programme, parce qu'aujourd'hui, on a un gros programme. 17h, les murmures du lac avec Romain. On n'a pas le thème, mais ça va être passionnant. Il va nous parler d'immobilier, de patrimoine. On verra ça tout à l'heure. Puis à 18h15, Pierre-Luc Petitel-Clève nous dira son fameux bonjour dans Un jour, un lac, un entrepreneur, où il recevra en exclusivité Florent Chambaz, qui est le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie, les sites d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Mais nous aurons le directeur en direct ce soir à partir de 18h15. D'ici là, bon après-midi à toutes et à tous. Et puis, bon week-end, Christelle. Merci et à toute beaucoup. L'équipe, à tous les agriculteurs du département de l'Ain. Et puis, à toute l'équipe de la ferme du Marais à Césarieux. On va venir vous voir. À bientôt. Avec grand plaisir. Merci. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.